Nous allons travailler aujourd'hui sur le périmètre. Le périmètre est la longueur du contour d'un espace ou d'une figure géométrique. Par exemple, pour une figure comme un pentagone, le périmètre correspond à la longueur du tour de cette figure. Pour un espace, comme par exemple un terrain de foot, le périmètre correspond à la longueur du tour du terrain de foot. Pour mesurer le périmètre d'une figure ou d'un espace, il faut connaître la longueur de chaque côté de la figure. Le périmètre est égal au premier côté plus le deuxième côté plus le troisième côté plus le quatrième côté, etc., etc., en additionnant tous les côtés de la figure. On peut retenir que le périmètre est égal à la somme de tous les côtés de la figure. Prenons un premier exemple. On veut mesurer le périmètre de la figure ABCDE. Premièrement, je mesure tous les côtés de la figure. Ensuite, j'additionne tous les côtés. AB plus BC plus CD plus DE plus EA, qui est égal à 4 cm plus 4 cm 5 fois. 5 fois 4 cm. Je calcule 5 fois 4 est égal à 20. Le périmètre ABCDE est égal à 20 cm. Prenons un deuxième exemple, notre stade de foot. Premier élément, je mesure la longueur, 105 mètres. Attention, les deux longueurs sont égales. La largeur mesure 68 mètres. Les deux largeurs sont également égales. Donc, pour mesurer le périmètre du terrain de foot, je vais additionner la longueur plus la largeur que je multiplie deux fois. Je remplace les mesures. 2 fois 105 mètres plus 68 mètres. Je calcule, ce qui nous donne 2 fois 173 mètres. Et enfin, le périmètre du terrain de foot est égal à 346 mètres.